J'ai l'impression quand on passe la ligne, on revient un peu quoi sur cette année qui était vraiment dure pour nous deux. Et puis pour moi, j'ai quand même touché le fond, et revenir passer la ligne en premier au championnat du monde, c'est... Bon, moi j'y croyais pas quoi. J'y crois à peine que maintenant, donc c'est le feu quoi. J'ai franchement du mal à y croire. C'est une belle revanche sur la saison, mais c'est quand même, je vous cache pas, une grosse surprise aussi d'avoir réatteint ce niveau de perf en très peu de temps avec aucune compétition en double. Ce qui a fait la physionomie un petit peu de la compétition, donc une montée en puissance à chaque parcours parce qu'on était en rodage, quoi, en réglage. Pour arriver à cette course qu'on a remportée vraiment à l'envie quoi. Grosse cohésion dans le bateau. Peut-être un petit peu moins de fraîcheur qu'en demi. Deux jours compliqués à gérer mentalement. Mais on assure, et ce qui fait du bien, c'est de gagner un rendez-vous majeur sans faire une course parfaite. Et ça, c'est très très précieux. C'est une belle rampe de lancement pour la saison prochaine. Il faudra vite savourer et puis oublier cette médaille d'or pour se remettre au boulot. J'ai pas envie qu'elle pèse trop sur notre confiance. Je pense qu'elle doit valider des pistes de travail, mais c'est qu'une étape. Et moi, j'ai pas envie que ce soit la seule de l'Olympiade, donc je pense qu'il faut en quelque sorte l'oublier, en prendre les enseignements, puis passer à la suite, quoi. Bon, on en profite pendant 2 mois, quand même. Un mois.